tebande kubalanti ya Eder TV batali ya Alpha Omega to tumbele bino lisusu mokolo lamu na mokona lelo onza babateli biso lisusu apesi lisusu pema na ye na bomoi po ete toyeba kozala lisusu liboso na bino kopartage na bino moment oyo tozoloba chaque fois que edifie ata motu moko na moment oyo tozolekisa na plateau ya Alpha Omega. Nous voulons vraiment que la parole ou le pensée, les idées qui seront dites sur ces plateaux puissent édifier ne fût-ce qu'une seule personne. Donc, nous avons eu grâce, nous voulons ensemble partager ces moments avec une servante de Dieu que nous avons reçue sur ces plateaux, Maman Bita, bonjour. Bonjour, Maman Bita. En tout cas, tous ces pélibningi, koyambayo, je pense que c'est rare que sur le plateau d'informer, Ganayambabasi. En tout cas, je me suis dit non, Funa Luka Luka Tribasi Moussousou. J'ai eu déjà la sœur Mado Maka et on a la grâce aujourd'hui de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire connaissance des mamans Bita? Moi, je connais peut-être on va des thèmes Moussousou et moi, on va mieux disposer pour nous faire ça sur l'ingé état civil, sur l'ingé Maman Bita Zanani. Une petite présentation à la téléspectateur, s'il vous plaît. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Maman Brigitte Madiengo et Maman Bita. Pour, communément, les gens me disent Maman Bita. C'est Maman Brigitte Madiengo. Ah, je suis mariée, mère de 4 enfants. Ah, ok. Donc, voilà, c'est quand même important pour moi, d'avoir une Maman Bita. Donc, vous êtes la 4 Brigitte. Oui, Bita, vous êtes la Brigitte. Ok. On va partager avec vous un thème qui est très capital. Concerné ma maman, mais avant tout, moi j'aime bien savoir à Tozo et à Manaka dans mon mandat que mon invité que j'ai na niveau ya ya plateau n'a pas assuré aussi que l'invité ou à Yamba Yesu, à Zamo Christo, et peut-être expérience na yo ou bien rencontre na yo avec Jésus Christ peut peut-être édifier quelqu'un ou à Zoma Nabi sur le Mabita à Ebié sous la Hage Nini, Oui, bon, je suis née chrétienne. Ma parent déjà basal qui va chrétien. Ah, ok. On priait, on allait à l'église comme tout le monde. Ok. Et depuis mon jeune enfance, toute petite, depuis le bon moment, on a qu'à l'église. Ok. Donc, on a qu'à l'église depuis bon moment, on a qu'à l'école des dimanches, on a une école des dimanches. Tout ça là qui est chrétienne par les parents. Ok. Mais. Coquine, ça ne suffisait pas. D'accord. Après, tant on a bandit coco là, voyant tout ce qui s'est passé dans la famille, il y a eu tellement de choses qui s'est passé dans la famille, il y a eu des problèmes, il y a eu des morts, il y a eu des chaos. Un jour, je me suis dit non, parce que Nzambiwana Obabo Tibala qui s'engage depuis pour moi dans Azawabi. Okay. Je ne voulais plus aller à l'église pour faire plaisir à mes parents. Parce que je me souviens, mon papa, on allait deux fois à l'église. Et papa était responsable, il avait des responsabilités à l'église. On allait pour que papa puisse voir que je suis là. Je me souviens, il y avait des moments où on calculait, bon, bientôt c'est les offrandes. On est une famille protestante. Le moment des offrandes, on faisait les tours, tout le monde passait. Alors papa se mettait tout le temps devant, donc je vais juste passer le temps que papa puisse me voir que j'étais là. En sortant, je me barrais. On a fait ça pour plaire aux parents. Et un jour, quand... Il y avait des chaos. Quand je commençais à grandir, quand je commençais à comprendre, j'ai vu qu'il y avait vraiment des problèmes dans la famille. Et puis je me suis dit, bon non, moi je vais savoir si Jésus là, comment toujours dit, est-ce qu'il est réel ou il n'existait pas. Il y a une autre sœur aînée qui était décédée en 1985. J'étais tellement bouleversée. Moi j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu existes? Ce Dieu-là qu'on m'a toujours prêché là, ce Dieu-là que j'ai toujours chanté à l'église, à l'école des dimanches, est-ce qu'il est réel? Je suis un homme. J'étais invité à une veillée de prière, qui était la première fois pour moi dans les veillées de prière. Et je suis allée dans la veillée de prière, voilà. On a prié. Vers 3h du matin, veillée Silaki, il fallait battre bala. Alors c'était dans ma tête vers qui sens, il n'y avait pas d'électricité. Et tant battu nous sur bala laki, tout le monde qui n'a pas dit. Mais
tellement dans ce qui n'a souci wana na yoki moto abengi ngai j'avais 17 ans na yoki moto abengi ngai Brigitte na la musi maman parce que ma mère était à côté de moi. J'ai réveillé ma maman. Maman, tu m'as appelé. Et maman dit non. Là. La bengi yote batbara. Là, du coup, dérangé. Là, mais qui colla là. Deuxième fois, non, qui sou Brigitte. Là, la mouki n'a dit non, maman, bengi n'a maman, le bengi, on a bengi yote là. Et ma mère a cru que je commençais un peu à délirer. À ce moment-là, je me suis dit, à se rappeler, n'a versé mon kobaïb sengane kodim, que. Et Eli Samuel Azaki na kacha temple et Azaki kokavoi Isaac Obengaye et à l'époque à l'école on récitait des versets bibliques pendant le fait de l'école des dimanches on faisait des spectacles on récitait des versets bibliques et à ce moment-là verset wana et Eli na mutunanga donc il mungongo ipsingai soki oki sungongo wana répond mais voici Seigneur je suis là ta servante fais de moi ce que tu veux. Et na yoki pour la 13e fois mungongo wana j'avais tellement peur à l'amour qui n'a fin dit et je répondis comme ça mais voici Seigneur je suis là ta servante c'est de moi ce que tu veux. Et j'étais là la tête baissée comme ça j'étais tout noir mais na moni lumière moko ma kasi na moni mwinda ya ma kasi alors j'avais peur mais il y avait quelqu'un devant moi j'arrivais pas à le regarder. J'avais peur. La kitissimoutou nazo linga. Et la personne a mis sa main sur ma tête. A tché le boko na moutou nangai. Et le boko ne sa ki moulaï. Le boko moussou soa ke a tché boué. Mais tant a tché le boko place moussou, le boko ane ke ti et pas nabiso parce que nous on habitait à Bandar. Mais c'était vraiment loin de là où on était. Le boko ane ke ti et pas nabiso. Et je suis et puis il est parti, il m'a dit suis-moi. Et quand il a commencé à partir, tout doucement, je sentais qu'il s'éloignait. C'est là où je commençais à soulever timidement ma tête pour voir. C'était un chemin long, très éclairé, très propre, très droit. Et il avançait avec une longue robe. Vraiment, je ne voyais ni ses mains, ni ses pieds. Et sur le dos, on avait écrit Jésus. Et depuis ces jours-là, je me suis levée. Depuis ces jours-là, je commençais à marcher la tête haute. Depuis ces jours-là, j'ai dit, fini les pleurs. Depuis ces jours-là, je commençais à marcher, à voir la crainte de l'Éternel, Yakoluka Nzambe. Et je vis. Résultat, les lots. Je vis dans ma famille, les gens priaient. Parce que ce moment-là, mes frères ne priaient pas. Ils étaient dans la débauche, ils faisaient tout. Mais je vis là. Résultat, voilà. Aujourd'hui, dans ma famille, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les servantes de Dieu. Amen. Vraiment, je bénis ces dieux-là. Amen. Maman Bita. Nous avons pas mon là-haut. C'est un bon témoignage. Je crois que quand on aura l'occasion, tu as que sa maman Bita à la plateau, elle peut s'appeler son caca témoignage. Comme aujourd'hui, il s'agit de le thème que vous réservez pour Nabisso, donc Bisso dans ma téléspectateur, pour Naroye Bakoyoka, on a bâti dans mon témoignage. Mais c'est déjà un bon témoignage, parce qu'aujourd'hui, nous négligeons cet aspect-là d'amener nos enfants à l'église. Nous négligeons l'aspect d'amener les enfants à l'école des dimanches. Mais ça peut produire des fruits. Parce que la Bible dit enseigne ton enfant quand il est petit, quand il sera grand, ils vont s'en souvenir. À Okanissa, il ne va pas de tourner parce qu'il y a des gens qui sont et maintenant comment tu auras en pratique c'est très important pour toi qui nous suis si tu veux vraiment je crois que Dieu va nous bénir. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème, vous avez dit femme lève-toi marche, femme lève-toi agis, quelque chose de comme ça. Par rapport à thème voilà déjà pourquoi pour ni thème pour eux, et puis dans l'article en liberté, au décortiquant, on les a bien. Merci beaucoup, maman Aline. Merci de rien. Pourquoi ces thèmes? C'est suite à un constat. Parce que suite à un constat, vraiment ces derniers temps, on vit les temps de la fin. On vit les temps de la fin, il y a des chaos. Il y a un peu de chaos partout. Il y a des chaos dans nos familles, il y a des chaos dans nos pays, il y a des chaos déjà d'où nous sommes venus, d'Afrique, là, il y a plein de chaos, il y a plein de problèmes. Et quand je me souviens un peu,
Je n'étais pas dans ces thèmes, mais tu viens de me poser la question concernant mon témoignage. Comment je me suis levée suite à un chaos dans ma famille. Il y avait des problèmes dans ma famille, je me suis levée. Et aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui regardent, qui envient ma famille, mais ils ne savent pas. 10 ans, 12, 20 ans, avant, 30 ans avant, c'était quoi ma famille? Voilà pourquoi, Lélo, maman, Katina Yesu, quand je dis femme, lève-toi, je ne suis pas venue dire aux femmes païennes, je suis quand même là aujourd'hui pour parler à des femmes chrétiennes. Okay. Ma maman, obaya kan église, ma maman, obaya binzambé. Parce que ces derniers temps, on remarque un peu. Quand on regarde sur Internet, il y a plein de choses qui se passent à l'église ces derniers temps. Il y a des choses, des délivrances horribles. Il y a des choses vraiment, quand tu regardes, tu dis « Seigneur ». Mais cela ne peut pas nous étonner parce qu'on vit les temps de la fin. Dans la Bible, on nous a dit « dans le temps de la fin ». Ce n'est pas encore la fin, mais pour voyez, il y aura des cris de guerre, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Nous sommes les ébandeli. Et na ébandeli wana. Maman, yo ya kanakati église. Mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? À l'église, on ne vient pas par habitude, comme je dis. En l'église, quand tu viens, ce n'est pas un hasard déjà qu'on y a dans l'église. Parce que motomo kwa ya kanakati son zambabegi etit. Surtout que dans Jean 6,44, Bible dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. Et ça nous embête, toi, ça, là, que mon toi, à l'église. Mon toi, vous soyez dans l'église, je ne sais pas comment tu as atterri à l'église, mais il y a qu'à l'église, je m'en coupe. Peut-être qu'il y a un cancer, il y a un monde. Peut-être qu'il y a un cancer, il y a un monde. Peut-être qu'il y a son étude. Peut-être qu'il y a un monde. Il y a besoin de mon coup, il y a qu'à l'église. Mais il y a un cas qui a zarté. Mais ça, c'est parce que nous avons besoin de qui. Et puis nous avons besoin de nous mettre pour une mission. Tu vois, nous avons besoin de nous mettre pour nous battre. Nous avons besoin de nous battre. Nous avons besoin de nous battre. Mais quand Dieu appelle quelqu'un parce que nous avons une mission, nous avons besoin de nous battre. Et nous avons besoin, il va investir à toi. Il va mettre des qualités, des dons, des trucs en toi pour une mission. Et depuis que yo zo bilo ko nyonso na nzamba tia katina yo, depuis que oya na église, laisse-moi te dire que oya hasard te maman. Oya ka musala moko. Mais musala on a depuis au commande église au fanda. Au côté na distraction. Nous voyons beaucoup de femmes à l'église, ils font n'importe quoi. Ba maman o bazali banda, ba kuya na kati ndenge ni tant bazo mona yo na kati yo sala n'importe quoi. Amen. Très capital. Nos églises aujourd'hui sont dépeuplées à cause de nous, à cause de notre comportement. Ce que nous faisons, mon toi zali banda ko yosa ni l'église. Tant que yo mama katina Yesu. Ozo sana makambo oyo, ozo kende ko lela lela libanda, ozo kende ko sala bozo ba libanda. Mon toi libanda ko yate. Mon toi libanda ko yosa ni. Mais o mi benga mi femme chrétienne. La chrétienté c'est pas une marque. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut coller. Moi, je suis chrétienne. Non. On aura des comptes à rendre dans le Zambé. Non, mais on a tia bilo que bilé katinayo. Aïe, bif, pourquoi tia yango? Et c'est pour un temps comme ceci. Les temps qu'on vit maintenant, une femme doit s'élever. Une femme doit s'élever. Et bien, il y a un chaos dans le jardin d'Eden. Il y a eu un chaos. Et quand le chaos est arrivé, Dieu a utilisé la femme. La femme, il y a qui. Canal on zamba utilise ça qui pour saluer et en amokili. Christ a ya qui nandela na moi si. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à la femme après les chutes? Tout autant dans le livre à Genèse. Zamba le bina femme, tu écraseras la tête du serpent. Et ce dernier va mordre ton talon. Mais la femme, maintenant, azana ba sauce nyon soit bouzouba. C'est le serpent qui est en train de mordre. Depuis ce moment-là, le serpent il fait son boulot. Oui. Le serpent il fait que mordre les femmes. Mon tata ça les publicité dans la voiture, dis-moi si tu es mon tata là. Et c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. Mais pourquoi? Parce que le serpent attaque la femme. Maman dit quand on a l'impression que ça t'as la ligne à côté. Le diable n'aime pas la femme parce que le diable sait que Dieu a donné à la femme le pouvoir de l'écraser. Voilà pourquoi avant yo écraser, il y a son choix yo. Tout ce que nous voyons comme le chaos là, le diable est en train de mordre le talon. Satan a son soi, a son côté sa chaos, a son côté sa division, a son côté sa manque. Mais maman, toi tu es là, tu fais quoi?
face à tous ces chaos. Mais ce n'est pas en changeant, en déménageant d'une église à l'autre que tu auras la solution à tout ce que tu as comme problème. Aujourd'hui, on déménage, on change. Je suis là aujourd'hui, mais depuis qu'on a commencé à déménager, dis-moi, qu'est-ce que nous avons eu comme solution? Nos problèmes sont toujours devant nous. On ne vient pas à l'église pour faire un défilé de mots. On ne vient pas à l'église pour se montrer. On ne vient pas à l'église pour chercher des camaraderies. On ne vient pas à l'église pour faire les mosquées, toutes sortes de trucs. Même les païens ne font plus. Mais nous, à l'église, on continue à le faire. Si une maman comprend ce matin, ce soir, je ne sais pas, en train de t'amener, je couture dans le camaraderie, oh maman, je suis la voix qui nous a bâtis dans la couloubana, oh femme, lève-toi. Tant qu'une femme ne va pas s'élever, le chaos va continuer à progresser. La femme, tu vas écraser la tête du serpent. Et quand tu vas écraser, quand tu vas comprendre, tu vas écraser la tête du serpent, Dieu va t'orienter vers ses serviteurs. Les hommes de Dieu sont là pour sceller. Les hommes de Dieu sont là pour nous orienter vers ses chemins, pour nous aider. Ce n'est pas que oye le lo awa, tu reçois. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu reçois? Tosan n'a pas homme de Dieu, tobin n'a pas téléphone, tosan n'a pas homme de Dieu partout, tosan dramatea partout, tosan wapi, maman, tosan wapi. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Jean m'a bien tenu compte à l'ignorance, n'a pas sauté. Mais au moment où j'ai un message au maman, si tu as compris, lève-toi. Bible, les gens, ils disent ça. Dans mon canal, il y a Proverbe 15-16. Proverbe, je connais tes œuvres. Je connais. Tu es ni froid, ni bouillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au moins tu étais froid ou bouillante. Mais surtout, qui est dans verset 16, Christ a dit à Cathy, ainsi. Comme tu ne veux pas être ni froid, ni bouillant, c'est que tu es tiède. Oui, bah, tu oses la position. Oses la position, tu sais. Et quand tu es tiède, Nzambazoloba, il va te vomir. Je ne sais pas, maman. Et le coup, sans dit. Même lui-même, du diable, il passe outre. Hein. Quand tu es vomi, qui peut regarder les vomis? N'anyako ki kota la yo. Il y a des fois, tu as un ami, tu as un doki, doki yomoko. Parce que tu es déjà un vomi. Yomoko n'est un doki. Yon n'est un doki à l'ibotanayo. Yon n'est un doki à bananayo. Non, n'est le calibalanayo. Il y a plein de divorces ces derniers temps. Moi, avant, je croyais que les divorces étaient une affaire des païens. Aujourd'hui, même à l'église, on a des divorces. Pourquoi? Parce qu'une femme ne veut pas comprendre. Nous, on a eu nos mamans. Ils sont restés fidèles à nos papas. Est-ce que nos papas étaient fidèles? Nos papas faisaient des trucs. Et une fois, je me suis dit à maman, mais maman, pourquoi tu n'étais pas partie? Ma mère m'a dit, tu ne sais pas ce que tu dis. La vande la bana. Ma maman a dit, la vande la kibana. Ils étaient là pour notre bien. Ils étaient là parce que, elles étaient là parce qu'elles voulaient notre avenir. Elles voulaient qu'un jour nous soyons bien. Et quand tu vas remarquer, tu vas voir tous les foyers où le maman était partie. Tu vas remarquer que les enfants étaient un peu déséquilibrés. Nous, on a eu la grâce d'avoir une bonne éducation parce que nos mamans étaient restées. À l'époque, ils ne connaissaient pas Christ comme nous. Mais nous, aujourd'hui, on connaît toutes les formules, on s'est chassé, on connaît tous les noms des démons. Ça, c'est les démons de ça, ça, c'est les démons de ça. On connaît les noms des démons. On n'est pas en pratique. Tout. Mais les démons, ils sont là, ils nous m'ont donné là. On fait que pleurnicher, on fait que pleurer. On est là seulement pour constater les dégâts. Voilà pourquoi une femme doit se lever. Moi, j'ai dit souvent que... Si je peux interpeller un peu, oui. Là, dans la Bible, maintenant, par rapport à tout ce que Zolo Belabisso continue pour l'amour de maman, le baiser, belé, dans maman, bite tes photos qui sont là, 3, 4 émissions, dans Alpha Omega, pour moi, si mon quoi, Téléma, pour Ngana Téléma, pour Yopozo, la Nabisso, Téléma. Ici, est-ce que tu as une femme dont tu te réfères dans la Bible? Oui. Une femme qui s'est levée, qui a été vraiment en œuvre. Parce que moi, si on a quatre la Bible, on peut s'appuyer sur l'exemple par rapport à contexte où ils ont exploité. Dans la Bible, il y a une femme dans les livres des juges, juges 5. Okay. Si je peux commencer à juge 4, du 4e verset au 5e verset, il y a Déborah.
Ok. Il y a Déborah, la Bible nous dit dans le livre de Juges 4. Je ne sais pas si tu peux nous lire, maman, parce que je n'ai pas mes lunettes. Je vais chercher. Juges 4, on commence où, quel verset? Juges 4, 4e verset, 5e. Juges 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme des Lapidotes, était juge en Israël. Voilà. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen, maman. Là, on nous dit Déborah, c'était une femme. On dit déjà Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, juge. Okay. Donc, Déborah avait plusieurs fonctions, comme nous aujourd'hui. On peut dire peut-être dans leur époque, il n'y avait rien. Non, là, c'est bien détaillé. C'était une femme mariée. C'était une prophétesse. C'était juge. Donc, elle est comme nous maintenant. Elle travaillait. Elle s'occupait de son foyer. On n'a pas dit qu'elle s'occupait des enfants, mais quand on parle d'une femme mariée, enfant ou pas enfant, on sait tout qu'est-ce qu'on fait à la maison. Donc, c'était une femme comme nous. En plein temps comme nous. Et quand on va lire dans le même livre des Juges, chapitre 5, 7e verset, la Bible dit ceci: le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. Pourquoi Déborah s'est levée? Elle ne s'est pas levée parce qu'elle était fatiguée de s'asseoir, non. Parce qu'il y avait un chaos. Si tu lis bien, tu vas voir qu'il y avait un chaos. Il n'y avait même plus de route. Tout était par terre. Même le chef était vraiment dans la débandade. À ce moment-là que Déborah s'est levée. Elle s'est levée comme une mère. Elle s'est levée. Maman, nous avons besoin de la télémane. Parce qu'il y a plein de chaos autour de nous. Tant aux hommes, on a pémé, il y a un bazou. Ce qui déjà m'a baisé, Libanda. Dieu m'avait fait comprendre quelque chose. Nous autres qui venons à l'église, on est tellement bien, bon, le prix, c'est pas notre problème. Non, ça nous concerne, maman. Parce que tant on est tourné, Libanda, et coco, malanda, pour nous. C'est drogué. Tant que maman, au lieu de se lever, de prier, d'écraser la tête du serpent, c'est pas mon problème. Moi, mes enfants sont bien éduqués. Mais banana ba kenda classe, moi, na banana yo. Ça va arriver chez toi. Banana ba kouta na banana yo libanda. Voilà pourquoi une femme doit se lever, maman. On va pas continuer à déménager d'une église à l'autre. Il y a des fois, je regarde, mais pourquoi? Pourquoi tu quittes la course à une église? Si tu n'es pas en mission en Christ, peut-être tu es en mission. Il y a Tatana et Satana. Parce qu'à l'église, maintenant, on a des gens qui sont en mission. Elle est là, Rabbi, a changé la tête depuis qu'elle est là. Batou, abongo la raté, batou, msousou, bazou, bima, azou, bengana, batou, batou, bazou, bima. Elle est là, 20 ans, 30 ans, elle ne change pas. Rabbi. Non, ce sont des rabbis. Asana Moli, moi, Jézabel. Parce que Jézabel était là pour tuer les hommes de Dieu, les sacrificateurs. Quand tu lis la Bible, tu vas voir. Dans les livres de deux rois, Élie a fait tellement de choses. Élie a tué Akanimboula, Asaliboye. Et tant que Jézabel a tué les maloba, papa, Élie a sengi koufa. Et voilà. Yo, bon, on a raté aux ans dans quatre églises. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que Jézabel, Satan a habité l'esprit de Jézabel. Vous avez dit église vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que voilà. Mais si tu es consciente que tu n'es pour rien, lève-toi, maman. Lève-toi. Ne laisse pas le diable à Satan à ce point. Ne laisse pas le diable à utiliser. Nous sommes mais la un dictateur, nous sommes bâtis grand tout le temps, on a choisi. Mais le diable ne te laisse pas ça. Si tu ne choisis pas, lui, il va choisir pour toi. Oui, justement.
Maman Bita, si on parle de la femme, où il faut s'élever, vous avez bien dit au début qu'il s'agit d'une femme chrétienne. Donc, moi, je suis bien amie, je suis toujours la CT pour nous gagner ma âme ce soir. Voilà. Ce que tu as dit, c'est très important et très capital par rapport à nos comportements, par rapport à nos vies. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne viennent plus ou qui ne viennent pas dans les églises à cause d'un comportement à bateau, à cause d'un comportement, à cause d'un frère, mais lui, tout le monde, comme ma maman. Alors la femme doit s'élever à l'église pour être dans le service, car elle leur mourra ou bien quand elle m'a condamné. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Les gens pensent que le fait de servir Dieu, invité maman habite à, dans quel département vous travaillez à l'église déjà? Moi, à l'église, je suis dans Femme à Mission pour Christ. Ok, dans un département, maman. C'est là où que vous avez oublié de signaler que maman habite à l'église de Dieu le Réveil de Liège. C'est là que, qu'elle travaille avec, c'est qui la responsable déjà? Maman Angela. Maman Angela, voilà. Donc elle travaille à côté de maman Angela. Et alors aujourd'hui, Nakata femme a mission pour Xiana qui pense que le fait, femme, lève-toi. Côté Manise, le Kwazo, il m'a déjà la chorale. Le Kwazo, ça déjà dans le protocole. La télémite. Voyez l'église, il était Kavane là-bas. Parce que des fois, on nous dit aussi ça. Depuis que tu es là, tu as des dons, pour le bien, un talent, Manise. Tiens, on a mon salamzabé. Peut-être qu'on peut croire le fait de servir déjà Dieu. Bon, le fait de servir Dieu, parce que Bible dit que je vous ai exhorté, frères, d'offrir vos corps comme un don parfait, agréable à Dieu. Et ça, culte mon corps agréable. C'est culte on a besoin, c'est de souffrir. C'est pas mal de chanter. C'est pas mal de faire tout ce qu'on fait à l'église. Mais en dehors de l'église aussi, il y a une vie. Parce que quand on est à l'église, nous tous comme ambassante. À l'église, tout le monde a la tapo soi, mais tout le monde a la démarche, tout le monde a la façon. Mais Dieu m'a fait grâce un peu d'être dans mon salananga, libanda, je vois tout le monde. Et quand je suis dans mon salananga, il m'arrive des fois de parler avec des chrétiens, de parler avec des païens. Tu vas écouter ma kamomoususu, ma vérité mususu, oyo, biso na kat église, to ébite, mais libanda ba ébite en malamo. Ba to libanda ba ébite ma réalité, ba mon na kabiso maman. Être chrétienne, servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est déjà être une lettre écrite. Ta façon d'être à l'extérieur. Ta façon, écraser la tête du serpent, donc tu vas l'écraser. Pas seulement en chantant à l'église. Et Dieu seul sait. Et moi, j'ai dit dans tout ce qu'on fait là, parce qu'on croit que on ne se moque pas de Dieu. Peut-être que tu crois que ça va passer dans Zambé, pasteur, non? Ça va monter. Parce que maman, ça va monter. Est-ce que là où tu travailles, on te connaît en tant qu'un enfant de Dieu? Dans ton quartier, même les voisins, ils te connaissent en tant qu'un enfant de Dieu. C'est quoi ta mission? Déjà, être quelque part, Dieu t'a mis là parce que tu as une mission à accomplir là où tu es. On ne va pas seulement accomplir, œuvrer à l'église. Et dans l'Ibanda, à l'église, on est là, on va s'aimer. On est devant, on danse, on vient s'aimer. À chaque fois que. Mais dès que tu sors, c'est toi qui insultes. Moto yo fingaki, moto yo bundaki na ye, amoni yo na likolo na la, oke ko seme, no bia oya na eglise. Et quelle est la réaction de maman Bita quand il y a, ce que je peux appeler, excusez-moi, les temps païens, a ye pour expliquer maman Bita qu'il y a la sœur à l'île, ou bounou mou mouna rawana yon a présenté, mais sotam rama salinga, fingenga kouta salaibou, qu'est-ce que maman Bita fait? Tu vas aller trouver la sœur à l'île pour noyer bisetala ndeko, petsa ki li bakou, ou ben na sindeko ana, ou yo a ye bina nzambe tobe yate, pour la co-exhorter, quelle est la réaction de maman Bita
quand tu as quelqu'un qui vient t'exposer un problème. Oui, dans des cas comme ça, maman, déjà, il faut savoir, moto aïe, parce qu'elle a blessé. Oui. Moto aïe, c'est pas que aïe pour na koluka afinga, ton asa la moto asa lié ma bé. Mais moi, pour moi, déjà, je vois qu'elle a besoin d'aide. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui se présente comme ça, elle a besoin d'aide. Elle a besoin que je puisse l'écouter. Là, à ce moment-là, pour moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Et puis par après, s'humilier et demander pardon. Tout ce que je fais premièrement dans mon tourana, je prends la place. Mon tourana moussoussou et je demande pardon. Je demande pardon. Maman, l'imbissaye, asande konaye, on va essayer de voir ça. Et n'a koué ba, n'a moma nini. Parce que tant au kéne maman, quoi, yo, ça la kibou, non. Oso respecte que maman wana pe atumbuka, ou bien que ça peut monter ma maman wana. Voilà. Parce que c'est pas que moto kakayara pour le barandé, asan a raison. Non. Ouais. Peut-être que. Zambé soka permettre, n'a solo la maman wana, n'a koussolo la maman. Zambé soka permettre, il y a des responsables à l'église. Parce qu'il y a des gens aussi, quand il vient comme ça, il vient dire, il n'est pas là seulement pour se plaider sa cause, mais il est là aussi pour chercher. Qu'est-ce que tu vas dire? Après, il va prendre pour aller détourner. Ça aussi. Donc, dans des cas comme ça, vraiment que le Saint-Esprit a son âme. Voilà pourquoi il faut beaucoup de sagesse. Mm-hmm. Voilà pourquoi il faut vraiment être dans la communion, dans mon lieu, mon centre, beaucoup prier. En tout cas, très capital, maman Bita, dans des cours, maman, signalé, mais ce que tu comme petit à petit, dans ce cas, pour moi, ça passait vraiment vite. On aura encore l'occasion d'avoir maman Bita sur le plateau des Alpha Omega pour parler de cette femme-là, Déborah. Tout compte à vraiment dans mon zino, je pense qu'il y a plein d'autres femmes. Dans la Bible, au bazar exemplaire, mais aujourd'hui, ils ont dit que sur la Déborah, ou à télémitant, au cas où nous sommes acquis. Alors, ce qui est vraiment important, que moi, personnellement à retenir, là, c'est vraiment cette sagesse-là que nous avons besoin. Mm-hmm. Parce que ce que vous venez de dire, c'est très important. Nous avons besoin d'exposer au problème. Donc, si Dieu nous accorde cette sagesse-là, on saura, parce que, comme vous avez dit, l'Esprit de Dieu sera-t-il dit sur le bâté. Tout ce qu'on peut faire pour moi, on prie seulement pour la personne. Voilà. Mais s'il y a moyen aussi de parler avec la Kambi, pourquoi pas? Il faut savoir aussi parler à qui, selon l'Esprit de Dieu, pour n'envoyer ma paix et comment. Parce que ce qui est important aussi dans ça, maman, c'est que il faut messager comment. Peut-être que la personne où est offensée, Ninga Namsousou, à salir on peut peut-être na volonté n'a été peut-être qu'à yebi place à zanyi bobungi moro boy quelque part à ça peut n'importe ça bas songaï na moi conseil na moi idée mais que songa on a besoin de la sagesse minité à cause on m'a dit on y battait que baye quand na cadre au songa ils appellent na cadre au fingaté mais en tout cas c'était vraiment très important que au kamama bita na moi kambo a mené plus na mon conalelo. Donc, comme il y a un moment à prière, mais je ne sais pas s'il y a encore un petit conseil, une petite pensée, une petite idée, avant balancer une chanson. Il y a l'église de Dieu le réveil, il y a Liège, la produit, où ils ont fait la 4 église. Ça, vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu pour ce travail. J'étais là dans la journée Emmanuel, organisée par l'église pour l'orphelinat. Et il y avait le maxi single qui a été présenté par la chorale sous la direction du frère Christian. Et j'ai vraiment aimé. Donc je me dis, produit à Boyo et Salami Nandapo, ma montage Kalamine Tête au monde, ma image Nandela et ma plateforme Nyonson, c'est vraiment dans l'église, c'est vraiment quelque chose à encourager. On aura l'occasion de suivre un petit morceau après cette idée, cette pensée au Yopesabiso pour ce qui sert. Ce que je peux dire comme mot de la fin, maman, je t'en supplie, lève-toi. Lève-toi, l'air a sonné. Lève-toi, maman. Cause la tête qui caoïa pour surprendre. Ne te sous-estime pas, maman. Dieu a investi en toi. Dieu a mis des capacités. Tu es capable. Ne reste pas comme ça. Lève-toi, maman.
Regarde autour de toi, il y a des chaos, il y a des papas qui pleurent, il y a des papas qui ne veulent même plus. Pourquoi tu fais quoi à l'église? Mais lève-toi. Si nos papas pleurent, nous sommes en train de se saigner. Parce que nous avons baillé bien à Tchèque Katinaïo, nous avons baillé mon boulot, nous avons baillé mon boulot. Ce qui est pour nous, il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi pour nous. Alors, côté que nous avons baillé, tant il y a grâce, et comme on a souka. Parce que nous avons baillé capable de remplacer, nous avons irremplaçable. Dans la Bible, nous avons vu des femmes qu'on a remplacées. Nous savons, on va en parler prochainement. La reine Vati a été remplacée par l'orgueil, par l'inattention, comme yo. Nzambe, azotiki lo tango, o telema, o salam salam, pe elonga ezali katina yesu. Amen. On va terminer par une prière romantique à Yosala. Pour nous, Pambola, Pe Bandekounios, Bahana Simana Bilili, le frère Robert, le frère Alain Yoïl, le frère Richacha, le frère Robin Vildomuziou, la sœur Priscilla. Pambola, Pe Bandekounios, Opo, Osala Pe Bilili, Bouizara Angolou. Malgré que c'est des papas, donc, Opé Sapé, moi, occasion, ma maman n'a pas rompu Batéli. Comme ça, Moussala Pe en finir. Amen. Prions. Nzambe na pambolio li susupoza nzambe madame. Oza nzambe na ban nzambe, le maître des temps et des circonstances. Tango malam, mon Seigneur, ça a été capable et possible grâce à toi, Seigneur. C'est pas parce que nous sommes plus que les autres, c'est pas parce que nous dépassons à quelque chose, mais c'est par grâce, Jésus. Yahweh, nous avons reçu la grâce, nous avons eu cette grâce de venir parler de ta part. Biso biloko pamba nzambe lelo oyo permettre et tieto ya kolobela mwa simoko. Ma prière, Seigneur, est que tu puisses, papa, appeler une femme. La prière est que tu puisses ouvrir les yeux d'une femme, la femme que tu as appelée. Ouvre, Seigneur, ses yeux, enfin qu'elle puisse voir tout ce que tu as investi en elle. Éternel, la mission que tu as envoyée à cette femme, que ça soit clair, Jésus. Oh, papa, qu'elle puisse s'élever. Yahweh, touche le femme, Seigneur. Yahweh, montre, Seigneur, le femme, Seigneur, le capacité, leur capacité, Seigneur. Je viens te bénir, je viens bénir encore ma jeune sœur Aline, papa. Yahweh, tu connais son cœur, Père. Ta parole, Jésus, nous a dit de faire de toi notre délice et tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. Tu connais les désirs de son cœur, papa, koki se la yen zambé. Enfin, kata to la yon zambé. Na eko bonze la yon sous équipe nyon son zambé. Batiki banda kuna bango na mokolo alelo pona koya ko sale na yon. Yahweh, koki se la bango zambé. Koki sa posa yamite ma la bango zambé. Ti ka kimia omo kilie pe sakate za la partage. Zamba Lola, Akumbo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Vita. Tout le monde, la prochaine fois, dans le monde en colo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toi, Maman, qui nous a suivis. J'espère que Matéa Oyo et Gosuma, Moko la Bisso, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Quand tu as peur, la peur doit avoir l'effet contraire dans ta vie. Quand tu as peur, ne lâche pas, n'angoisse pas, n'abandonne pas, mais au contraire, tourne-toi vers l'Éternel. Il est le seul qui peut te relever. Comment ? Ma peur. Voilà ce qui s'est passé en moi. C'est ça. Je crois en ta parole. Cet amour. C'est ça. Alors lève-toi, bouge un peu. Vas-y à gauche, une fois. À droite, une fois. C'est ça.